Partait à la pêche et qu'elle, elle restait à la maison à ne rien faire. Regardez-nous. Donc, ces dames, ah, oui. Ces dames partaient chercher des cocos sur les plages. Et là, elles confectionnaient leur confiture de coco, la farine de manioc, la farine de froment de blé n'existait pas. Et ces dames, elles faisaient tout avec de la farine de manioc cultivée sur place, les œufs de poule élevés sur place. Et à ce moment, l'électricité non plus n'était pas. Alors c'est avec du four à charbon qu'elle faisait cuire ces petits gâteaux. Et les maris partant à la pêche sur les petits bateaux comme ça, à la rame ou à la voile, ces petits canots Saint-Trois, les maris arrivaient le soir très fatigués. Et en trouvant ces petits gâteaux-là, ils mangeaient ça avec Vous savez, le café, quand on a pris le gros café noir, oui. Il reste toujours un petit café clair. Ils mélangeaient ça avec du lait. Ah. Ils prenaient et ils mangeaient ça le soir. Ils faisaient une autre infusion finalement. Voilà. Ah, ou ils faisaient des infusions à base de, TPI, ce sont des feuilles d'ici, la citronnelle. Ah oui, comme la citronnelle. Comme la citronnelle. Okay. Ils faisaient des infusions et ils mangeaient ça avec les petits tourments. Et le matin, en partant de la pêche, ils prenaient des tourments pour porter à la pêche. Donc ça s'est resté, vous savez, c'est resté comme une habitude, c'est un rituel pour voilà, nous. Voilà, c'est un rituel. S'il y a une fête chez nous et qu'on n'a pas fabriqué le tourment d'amour, il n'y a pas de fête. Pas d'amour.